Et nous sommes de retour, mesdames, messieurs. Vous êtes avec Torque, l'homme qui fait swinguer vos samedis soirs. Bonjour à tous. Donc, il manque 3 victoires pour le 12 victoires. Allez, si on fait pas 12, c'est la Chouma. En lien, en dur mage. Un crocodile. S'en allant à la guerre, disait au revoir à ses petits-enfants, traînant ses pieds dans la poussière. Il s'en allait combattre les éléphants. Allez, croc-croc-croc, les croc-croc-croc, les crocodiles, sur les bords d'une île, ils sont partis, n'en parlons plus. Allez, croc-croc-croc, les croc-croc-croc, les crocodiles, sur les bords d'une île, ils sont partis, n'en parlons plus. Toulou. Alors, c'est quand le tirage sort de Twitter? Oh, ça, c'est dans longtemps, ça, c'est marqué dessus, c'est marqué sur le tweet en plus. Alors. Allez, mon talk! Ok. On a le double trade ici en vrai. Enfin, double trade, non. Je vois ping, mais. On va taper. Et on va jouer ça. Ok. Merci, je vais marquer pendant 4 jours dans la tête. Excusez-moi. J'adore cette chanson, moi, sur les crocodiles. Tu m'as regardé depuis combien de temps? Vous avez vu, j'ai la moustache là. Je pense que si je reste comme ça, je pense que je peux presque avoir de la barbe en vrai. Hein. J'y crois là. Hein. Mais j'ai pas envie en fait. J'aime pas, j'aime pas avoir, je pense que ça m'irait pas. Ça m'irait pas la barbe, tu vois. Après, récemment, notre premier ministre, Édouard Philippe, a tenté la barbe et. C'est vrai que ça lui va. Là, il a la barbe, hein, Édouard. C'est un bel homme, je veux dire, Édouard, hein, clairement. Hein. Alors, ça vaut pas Jean-Marc Ayrault, évidemment, hein, qui lui. Voilà. Faut savoir que je suis quelqu'un d'assez gérontophile, personnellement. Je suis assez gérontophile, donc superbe. Super premier ministre, hein, mais voilà. Alors. Allez. Putain, mais qu'est-ce qu'il fait lui? Ok, il tape là-dedans. Ok, bah là je joue juste ça hein, du coup. Hein. On est tellement bien. J'ai tellement gagné déjà parce que. Je sais que le dégât va faire le café en fait. Palamage c'est OP, non? Je pense que Palamage c'est fucking fort. Tu peux faire le mage ladin. Ça c'est le mage ladin. On connaît bien évidemment. En vrai, ça me fait presque penser à des compos d'arène sur WoW. Mais du coup, il faut jouer. Qu'est-ce qu'on a comme bonne combo en 2v2? Enfin, 2v2 c'était de la merde, mais. Tu vois, une bonne démo à Flea Druid Hill à l'ancienne. Je vais tester le Counterspell. Le Vaporize. Vaporize. C'est la barrière de glace. Très bien. Du coup, j'aurais pu taper en premier pour être pas obligé de tout gâcher. Mais bon, la potion c'est cool ça. Ouais. Alors, on va voir ça. Ouais. Ok. Là, le placement, vous allez me dire, était peut-être pas top. Ok. Ok. Ok, attends, je place mieux mes créatures là. Ok, là elles sont bien placées, c'est bon là. Pourquoi tu joues avec deux classes? C'est spécial à Halloween. C'est Halloween. C'est Halloween. Mon placement était pas top, hein. Mais pour moi, c'était un prêtre. Pour moi, j'avais oublié que c'est prêtre mage. Vraiment rendu avec ses cornes, il est vraiment dégueulasse pour le coup. Fou en onyx. Pas top, hein. Pas le froid, c'est top ça. Je pense qu'on va aller full face. Hein. Il peut y avoir le DK à tout moment, donc on va buff une image plutôt, je dirais. On va juste trouver le DK en duin. Même si c'était pas le prochain tour, on sait jamais. Il est plus qu'à 12. J'ai 5 de dégâts. C'est quoi ce truc de fou la double classe? C'est Melissa, hein, pour Halloween. C'est pas un truc cool. Flame Strike. Ok, il a le full trade du coup. Oh, moi aussi un Flame Strike. J'avoue que ce Flame Strike était particulièrement relou. Mais bon, on n'avait pas joué au tour quand même. Hein. Allez, portail face. Fin de tour. Quoi? Alors là j'ai l'étal. Si il ne tue pas ma 2-2. Hein. Ah j'ai pas l'étal. Parce que si je fais potion avant. On n'a pas l'étal malheureusement. Donc.
Ah, est-ce que Météor c'est létal? On n'a pas gagné ici. On n'a pas gagné. Mais du coup, on va juste Flame Strike. Et on va taper. Et on va ping. Ça me paraît bien ça. Ça me paraît bien ça. Et là, du coup, on a cet hôpital et il peut pas se soigner. Donc là, à moins qu'il ait un heal prêtre, j'ai létal. Donc on l'a bien. Ok, la dévoration. Moi, je joue pas de. Ah si, pour avoir récupéré ma prophète du cercle terrestre, en vrai. Ok, tranquille, tranquille. En vrai, je pourrais setup létal, hein. Mais j'ai peur qu'il me rebaise. Non, vas-y, on setup létal. On va pas jouer Jaina là. Il va pas me baiser deux fois quand même. Il nous a baisé comme des bleus. Baisé comme des bleus. Baisé comme des bleus. Il nous a baisé comme des bleus. La vérité. Bel appel. Non, mais là, du moment qu'il a pas récupéré un truc qui soigne sur sa vision de l'ombre, je suis bien. Portail éther du feu, ça me va ça. Et ben on a gagné. Celle létale. Si on peut avoir ce que je faisais, j'avais gagné tellement j'étais devant dans cette partie, je pense. Et la soin de lire. Non, ça va. On a gagné. Ouais, j'aurais pu la jouer autrement, mais bon. Attends, je suis pas létale comme ça. Ah bah non. Ah bah si. Ah bah non, bah si. On avait le ping, mais bon. C'est plus drôle comme ça. J'ai tellement trop fort, dommage de pas la jouer. Mais non, mais. Là, tu vois, l'adversaire, il se dit qu'il a perdu contre un mec qui avait pas de légendaire, tu vois. Alors que s'il jouait Jaina, d'un côté, tu vois, il aurait eu moins le seum. Moi, je voulais qu'il ait un maximum de seum. Mais en jouant Jaina, je lui ai enlevé une responsabilité. Parce qu'il se disait, ah, tranquille, du coup. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. C'est logique. Non, mais c'est bien. C'est bien, c'est bien. Donc, on a gagné, je pense. Hein. Ouais. Voleur contre voleur. Voleur contre prêtre. Enfin, voleur prêtre contre voleur mage. J'ai envie de garder la reine d'émeraude. Et je vais garder ça parce qu'il y a moyen quand même qu'elle meure, la reine d'émeraude. Donc bon. C'était temps que tu es un bluff. Un agitateur. Un animal. Nanana. Un animal. My name is Jean-Pascal. Pardon. 10 victoires, c'est le max que tu puisses faire. Ça va pas la tête. Voleur prêtre, je vais lui casser la gueule en deux. C'est sorti en U. On est sur Europe là. Évidemment. Normalement, les trois intels des arcanes. C'est vraiment un truc qui est trop fort. Les trois intels des arcanes, ça s'est vraiment, vraiment mis trop bien. Pour le coup, honnêtement. C'était trop fort. Alors. Du coup, on peut intel et pourtant, je préfère préparation pour télé. Ça, c'est vraiment ma combo préférée. Hein. Ça, c'est vraiment ma combo préférée de l'arène. C'est quand je fais préparation portail éther du feu. C'est quoi ta comptine préférée, Talk? Ah bah c'est les crocodiles. Un crocodile en allant à la guerre. Ta 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 ta. Très lent ses pieds. Ta 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 ta. Et bim! Et bim! S'en allant à la guerre. Ta 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 ta. Incroyable. Alors. Ah, ça c'est bien ça. Très bon choix. C'est fort en plus qu'il a récupéré. Mais il a récupéré un truc fort en vrai. Oh! Je vais face, hein, je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles moi, je vais face. Je m'en bats les couilles. C'est fort ça. Bien sûr que j'ai joué, je l'ai eu T4 du coup, hein, l'élémentaire de terre, hein, grâce à la préparation. Alors. Ok, on s'en bat les couilles. Ouais. Donc là. Ça commence à être chaud de pas tuer ça, non? Oh, sinon je fais ça. Et genre après je dis je m'en bats les couilles et je vais full face. Hein. Je m'en bats les couilles. Allez bim! On va pas prendre de risque. Hein. Pourquoi y a que les streamers qui ont des bons decks d'arène? Que les bons streamers en plus, attention. Pas les mauvais. Alors.
contredisant ses pieds s'enfoncer dans ses pieds, ses pieds dans la poussière. Il s'en allait combattre les éléphants. Allez, cro-cro-cro, les cro-cro-cro, les crocodiles. Sur les bords d'une île, ils sont partis, n'en parlons plus. Allez, cro-cro-cro, les cro-cro-cro, les crocodiles. Sur les bords d'une île, ils sont partis, n'en parlons plus. Touloum, 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 touloum. Dum 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 dum. Relou lui. Et relou lui. Ça alors. Il arrive pas sur la destination en plus tant que. Ouais. Supportable. Sinon on setup. Ah non mais lui, ouais. Non, je passe. Ouais, bon. Choisis la stratégie de reposer les lames de terrain. Qui me paraissait une bonne stratégie. À mon avis. Et merci beaucoup à Nona Menico pour son abonnement. Merci à toi. Merci beaucoup. Et du coup c'est le 11-0 hein. Le final boss, je vais tweeter hein. On est... Ah non, le 11-2 pardon. À 11-2 eu... Je vais tweeter, c'est la lutte finale. Comme ça, ça va un peu communiste. C'est la lutte finale. Dès demain, le 12-0 sera le top deck. Il n'est pas le top deck suprême. J'ai une aliche de givre. Et c'est mon côté rouge, hein, vous savez. Bon. On appelle Tank le rouge souvent, manif. Hein. Tank le rouge. Allez! Contre-le! On est contre le... Oh putain, c'est le Rock Furion! Oh mon dieu! C'est le Rock Furion! Oh c'est chaud là! Putain, on est... Oh c'est chaud, c'est chaud! On est contre le Rock Furion là! Putain, putain, je sais pas quoi regarder, vas-y! Oh je vais tilter! Non, je relance tout, je relance tout, je relance tout, vas-y! Quand je sais pas quoi faire, moi je relance tout en général là! Hein. Quand je suis stressé! Son ma strat, c'est de récupérer Jaina! Oh putain, cette barre de merde, putain! Putain! Ah! Ah! Balance 3! Non! Je kiffe ça les citrouilles. En vrai la soupe de potiron c'est insane. J'aime beaucoup la soupe de potiron. Alors Ouais. Le drôle, je suis contre le drôleur Tank. Non non c'est le Rock Furion en face. C'est le Rock Furion. Ok on a la prep. Mais pour l'instant c'est de la merde hein. Il faudrait comboter. Il faudrait comboter cette préparation avec un portail éther du feu sur le tour 4 au hasard. Okay, donc là on va jouer ça. Là idéalement il faudrait qu'il joue une 4-3-3. Genre une 4-3-3 et je fais la chevaucheur dans la 4-3. C'est mon plan de jeu ça. C'est le Valfurion Tank. Ah oui le Valfurion, j'avoue. Nous on joue le Vomage, on rappelle évidemment. Le Vomage. Shuriken de Jade. C'est un peu relou parce que là pour l'instant j'ai pas de tour. À part donner une 3-1. Hein. Fait chier. Du coup, je donne ma 3-1. Hein. C'est très agressif comme tour, du coup. Bon, on a choisi une strat agressif alors qu'on joue le DK. C'est dommage. En même temps, on a pas eu le choix. Après, pour l'instant, je joue des cartes vraiment médiocres. Ok. Alors là, je fais partie des gens qui pensent que préparation et viscération, c'est l'indignité. Hein. Je joue le Berserker. Bon, quand même, je joue le Berserker, il se met beaucoup mieux que les enchaînés. À mon avis, ici. Oh, il est cancer! On l'aime pas, lui, en face. On l'aime pas du tout. Hein. On l'aime pas du tout, en face. Mais du coup, je vais jouer ma play d'écaille ici. Hein. Je vais garder la prep, hein, parce qu'à tout moment, la prep peut être décisive. Et j'ai pas envie de prep mon attaque des arcanes pour l'instant, je pourrais toujours la jouer gratuit si j'ai envie de m'en donner. Feu stellaire. Non mais attends, mais il se fout de ma gueule lui en face ou quoi là? C'est quoi ça d'avoir réponse à tout comme ça là? Est-ce que c'est la vraie vie ça? Est-ce que c'est ça la République? Moi je vais tomber de chatoyante là. On va la développer directement. Alors là ça va se mettre bien ça. Allez. Il fait du 1 pour 1 depuis le début. Bah c'est pas du 1 pour 1 météore, c'est le problème.
Ça s'avère pas que ça tue la devin, c'est tout. Ok, on branle. Je m'en bats les couilles. On a l'air d'être ok en vrai. Faut juste récupérer le DK, mais. C'est le mec. Oh bah si on récupère le DK, tout va bien. Portail, putain. Oh le DK! Le DK! Ta ta ta! Ta 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 ta! Du coup, je suis une Nevis là. Mais c'est un couteau qui part. Alors tout va bien. Pas de couteau. Tout va bien. Oh la boule de feu! Est-ce que tu m'aimes? Je sais pas si je t'aime. Ta 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 ta. Je me tire. Me demande pas pourquoi je suis parti sans péocher. Na 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 na. C'est triste à dire, mais plus rien ne m'attire. Laisse-moi top deck loin d'ici. Pas le froid. Oh, mais c'est. Ah non, je peux pas jouer pas le froid. Putain, fais chier, salope. Pardon. Ok, ok. En tout cas, je suis très content que mes deux préparations ne servent à rien pour l'instant. Non, vraiment, la dernière partie, je vais rien dans les préparations. C'est le maître, Tank. C'est le maître! Allez. Le maître! Ça va, ça se gère, ça se gère, ça. Soit on a le DK. Non, mais le DK, c'est forcément gagné avec le DK là. Les motes. Joyeux. Joyeux sans ça. Mais toi aussi, frère! C'est l'heure du maître, Torque. Non, non, non. Si on met le maître, là, on va perdre 100%. Ça sert à rien de faire prep intel, je pourrais rien jouer derrière. On pourra toujours prep intel au prochain tour, mais pour l'instant, c'est useless. As fuck. En vrai, je vois pas comment c'est possible de perdre la game maintenant, en fait. Je vois pas comment je peux perdre après ça, en fait, tellement c'est fort comme tour. De jouer Jaina sur tour 9. Ah, c'est une grande intel into portail là. Oh putain, alors j'avoue qu'il y a quand même un gros board là quand même. Vas-y, je prépare intel. Laisse-moi top deck loin d'ici. Ah, mais je suis redevenu un mage en fait. Ah, mais oui, mais pourquoi j'ai que des cartes de merde? Mais c'est vrai que je suis redevenu un mage du coup en fait au final. Oh, c'est fou cette partie. Je sais pas quoi prendre là, c'est la merde. Hein. Là, je suis paniqué là. Là, j'ai paniqué là clairement. Là je panique. Putain, c'est la panique. Ah, c'est tellement la panique. Je prends le clone. Besoin de value là. On va faire ça. Là c'est officiellement la panique, hein, je vous l'annonce. Hein. Putain, c'est la panique. Le mouton pour avoir un ping. Ouais mais ça c'est bien ça aussi. Non, le mouton il peut trop jouer autour alors que le clone tu vois, bon. J'aurais bien aimé clone de glace, j'aurais dû prendre ma clone de glace, après il aurait pas joué ça mais. Oh putain c'est la merde. Oh c'est leur dignité là. Ok, là c'est le... on est dans le caca là, hein, je vous le dis. Après ça va, il faut juste pouvoir faire un LM à un moment donné mais. Ça s'arrête bientôt ça. Alors attendez. Bon je reprep. Ah, je peux un tel avant cela dit. Mais d'ailleurs c'était bien franchement sinon. Putain de sa mère la pute. Pardon, excusez-moi. Il faut silence ça, mais c'est terrible. Putain. Moi j'ai envie de silence ça, mais bon. J'aime pas mon tour, mais j'ai pas le choix, je crois. J'aime pas ce tour, hein. Mais il faut un LM, là. C'est ok, en soi. Ça passe, il a plus que deux cartes en main. Il a plus que deux cartes en main. Il me reste encore mon météore dans le deck. Hein. Il me reste météore et portail éther du feu. Allez. Allez. Allez mon tank. Ça prend les trades. C'est bien ça, c'est bien ça. On aime quand ça prend les trades, ça on aime ça. Fléau incoming. Ah, ce serait dommage hein, parce que j'ai un counter spell dans la main. Mais bon, écoutez 3 et l'autre écoutez 1 donc. Ah c'est chaud. Franchement s'il fait rien, frérot.
Ah, il fait rien, le frérot. Mais là, du coup, je fais juste ça en fait, je m'en bats les couilles, non? Il va me mettre 7. J'aurai un LM2 au prochain tour. Nick. Allez! Allez, allez. Je vous cache pas que c'est pas le meilleur counter spell de ma vie. Dommage. Dommage du coup, c'était greedy ce que j'ai fait putain. En même temps, ouais, ça se faisait hein. Ça se faisait en vrai. C'était greedy quand même, il faut le dire. C'était greedy putain. Ça pue hein. Je vais jeter la gazette de Gadgetzan, toujours. Ça pue quand même hein. Parce que là il a la dague à tous les tours. Il est 2 off. Il me reste de quoi récupérer du heal ou du taunt dans mon deck, hein, mais. Non, s'il me tue maintenant, j'ai un somme pas possible. Oh, fils de pute! Oh, j'ai un somme! Oh, j'ai un somme! Oh, pourquoi j'ai grid en posant rien comme ça, putain? Pourquoi je suis un grider? Mais pourquoi? Mais pourquoi? Pourquoi je suis un grider comme ça, putain? Mais pourquoi? Pourquoi? Pourquoi je suis un grider du dimanche, putain? Pourquoi je suis un grider du dimanche soir? Putain, pourquoi? 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 Pourquoi aucune éducation? Putain, c'est de la merde, non, j'en veux pas de vos gold. J'ai 57 boosters, je vais tous les désenchanter. Je les vois pas, je m'en fous.